La dépendance affective, un défi émotionnel qui touche de nombreuses personnes. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que c'est que la dépendance affective, les signes à surveiller et je vais vous donner quelques outils pour en sortir. Alors la dépendance affective, qu'est-ce que c'est ? C'est un besoin excessif d'attention et d'affection d'autrui pour se sentir comblé émotionnellement. Cette dépendance, elle peut entraîner des relations malsaines et une dépendance émotionnelle aux autres. La dépendance affective peut avoir des origines variées comme des expériences passées de rejet, d'abandon ou encore des schémas familiaux dysfonctionnels. Il est essentiel de comprendre l'origine de cette dépendance affective pour pouvoir la surmonter. Voici quelques signes de la dépendance affective. Les signes de la dépendance affective incluent le besoin constant d'approbation, la peur de la solitude et l'abandon de soi pour satisfaire les besoins des autres. Cette dépendance affective, elle peut aller jusqu'à la capacité à éteindre complètement ses désirs personnels, ses besoins personnels pour se calquer à ceux des autres. Mais reconnaître ces signes, c'est la première étape vers la guérison. Maintenant, parlons des solutions pour surmonter la dépendance affective. Première solution, la thérapie. La thérapie individuelle ou de couple peut aider à comprendre les origines de la dépendance et à développer des relations saines. Deuxième solution, le renforcement de l'estime de soi. Travaillez sur l'amour de vous-même pour devenir moins dépendante des autres pour votre bonheur. Troisième solution, l'apprentissage de l'indépendance émotionnelle. Apprenez à être heureuse seule et à ne pas dépendre des autres pour votre bien-être émotionnel. La dépendance affective peut être surmontée. Vous méritez des relations saines et l'épanouissement personnel. Pour cela, faites-vous accompagner si nécessaire. Travaillez sur vos besoins, sur la personne que vous êtes. Apprenez peu à peu à être bien seule avec vous-même et à ne plus dépendre de l'attention ou du temps que les autres veulent bien vous consacrer. Sortez donc de la dépendance affective et trouvez votre équilibre émotionnel. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager avec des personnes qui en ont besoin. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao !